à la boulette. On enlève les filles, allez-y. Il a cassé la queue de l'écureuil. Non. Mais si, ça craquait. Le gimmick de Christina a hurlé ici. C'est magnifique. Regardez Stéphane Plaza dans C'est quoi l'amour. Stéphane, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 30 ans. Bon. Vous êtes agent immobilier. Oui. Vous vivez à Paris. Oui. Alors vous n'avez jamais vécu avec une femme encore? Non. Pas encore. Pourquoi ? Le problème, je sors du travail, je fais la cuisine, je repasse et la femme ne fait rien. Mais vous aimez en revanche que ces femmes aient des attentions particulières pour vous. Lesquelles ? On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le matin, j'aime bien une bonne petite pipe. Et le soir, un petit mot d'amour. Merci. Voilà. Merci. Des fois, je préfère le matin, d'autres soirs. J'aime les femmes, je ne suis pas très exigeant, sauf le matin. Même moi je passe pas. Alors attention, là il faut se baisser. Ouais. Là il n'y a que Zoé qui passe. Alors là, ça, le matin, c'est hyper dangereux. Oui. Surtout une bonne poudre dans la tête, on la prend qu'une fois. En revanche, ailleurs, on aimerait la prendre plus souvent. Non, je plaisante, je plaisante. On va me mettre encore un lit là-haut. Ah bah il y a un lit en bas. Non, mais il y a déjà un. Hein. Bon, maman. C'est fou, hein. On peut dormir, on peut vivre à une. Ah ah Papa. C'est pas vrai. C'était incroyable. Comment il a fait? Tu t'es fait une course? C'est coréen. Bah ben voilà, il nous reste plus qu'à faire de l'apnée là. C'est ça. On va couler, on va couler. Je sais pas si vous allez couler, mais en tout cas, c'est magnifique. Et Marina est une petite chachotière. Oui, j'aime pas dire cachotière. Moi, je dis, on fait des chachoteries. Chachoterie, chachotier, chachotière. Enfin voilà, c'est une expression de Plaza. Si je peux me permettre, il y a d'autres surprises pour vous. Pour vos après-midi champêtres, Stéphane Plaza vous présente sa tenue printemps-été. Soda. Un service exigeant. Merci Stéphane, merci. Il va falloir que j'aille chercher un autre soda pour toi. Un autre soda, s'il te plaît. D'accord. Oh. Mais qui ne se prend pas au sérieux. What did you expect? Stéphane Plaza, rien ne sert de se voiler la fesse. Sur un site de rencontre, comment vous vous présenteriez? Toons, drôle. Il va vous emmener au 7e ciel. Enfin, elle va essayer. C'est que ce rajout là qu'on a, nous. Qu'est-ce que c'est que ce turbon là? Pourquoi j'ai ça? C'est le tissu qui a dû se détendre. Coupe, coupe la bande. Voilà. On peut s'en servir pour faire un joli bracelet. Hey, tiens. Ne jamais jeter. C'est le conseil de tonton Stéphane. Là, je vais te faire un petit collier. Enfin, un bracelet. Et Stéphane a même laissé le fermoir. On a même le scotch. Alors attention, les fils, faut pas les mélanger, sinon on est foutu là. Ah. T'as vu? Regarde, je te montre un truc. Ouais. Attends, pourquoi il y a un fil là? Regarde, hop, tu lèves le pied de biche. Uh-huh. Bon, tu peux passer la première. Oui, mais attends. J'aime pas quand elle me regarde comme ça, j'ai l'impression de faire des bêtises, elle me stresse. Va donc travailler, j'ai l'impression d'être surveillé alors qu'on est, on est au point. J'ai passé mon hiver à faire des marinières, moi. Et regarde ça. Ah non, c'est l'envers. Ah mince, non. Et oui, un tissu, ça doit être épinglé à l'endroit. Ça commence mal. Oui, c'est pas grave, parce que tu... Ça fait un côté artistique, en plus. Pour une table à linger. Et tu... Langer. Ouais. Moi, je dis linger, moi. Mais là, c'est langer. Tu sais, les langes. Je suis bien dyslexique, moi. Ouais, t'es pas que ça, t'es un beau couillon. Oh, la boule. Ça, c'est surprise. Là, le rangement, il est là. Ouais, canon. Moi, j'ai qu'un mot à dire. Ça claque, ça claque, ça claque. Et quand je parle de ça claque, pardon, Seigneur, ça me fait penser à une petite levrette. Pardon. La question à ne pas poser au premier rendez-vous. Est-ce que tu suces? Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez une femme le temps d'une journée? J'irais mettre des collants, des chaussures, acheter des chaussures, j'irais travailler, je finirais très tard, je ne ferais pas à manger parce que je ferais sauter l'œuf, mais en tout cas, je serais heureux d'être une femme. 46. Moins 25 divisé par 2. Et 13. Ou 2,5. Comme ça, on fait la... Non, mais je sais que t'as des petits bras, mais il faudrait quand même qu'il rentre. Parce que je suis pas sûr que tu sois un centimètre de chaque côté ou un centimètre de... Si, c'est toujours un centimètre. Alors là,
Donc, Stéphane, bienvenue tout d'abord. Tu es chez toi. Voilà la maison des Guignols. C'est bon, c'est bon. Puis t'es beau, toi, t'as un costume, t'es bien habillé. Ah, hein. Ben, toi aussi, c'est normal, je suis raccord avec toi. Ouais, c'est vrai, c'est normal. C'est vrai. Alors, tu vas vendre un petit peu ici? Mais écoute, cette maison, je te la propose à un bon prix net vendeur. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, si c'est du net vendeur, mais combien? Parce que le marché descend quand même, immobilier. Hein. On te fera un prix, mais il ne faut pas non plus exagérer. Hein, parce que c'est une maison quand même où il y a beaucoup de monde. Oui, hein, enfin, attention, c'est quand même un rez-de-chaussée, il peut avoir de l'humidité. Un petit peu, mais bon. Pas... Bah oui, bah, je connais le métier, mon pote. Oui, oui, non, mais écoute, bon, moi je suis qu'une marionnette. Hein. Ah bon? Ah, il est bien élevé, hein? Regarde, un digou! Un digou! Ah! Ah! Allez, ça suffit! Un petit gars!